Google Hamster, c'est quoi. Aujourd'hui, on se retrouve. Voilà, j'ai gueulé. Pour la test découverte du nouveau perso Torbjörn. Et en gros, Torbjörn, il est super bon en défense. Voilà. En attaque, si c'est capture de points et si c'est pas après le payload, il ne sert vraiment à rien. En gros. Bon, je vais vous montrer un petit peu ses attaques, ce qu'il a, et après, je vous ferai une petite ellipse. En gros, il peut placer une tourelle. What? Là, j'ai des lags. Et donc, en fait, avec en switchant d'arme, faut taper dessus. Et vous voyez, à côté de mon perso, en bas à gauche, eh bien, j'ai ma tourelle. Et là, elle est niveau 2, comme on le voit. Et le maximum, c'est niveau 3, mais je peux plus taper dessus, en gros. En fait, quand je vais activer mon ult, la tourelle, si elle est niveau 2, il ira directement au niveau 3. Par contre, c'est niveau 1, elle restera niveau 1 jusqu'à ce qu'elle arrive niveau 2. Enfin, gros. Et quand on a ult, en plus qu'elle devienne numéro 3, bah nous on a plein de PV en plus. Et notre marteau il tape beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, mon E c'est quoi? En fait, quand un allié ou quand un ennemi va mourir, il va lâcher une espèce de petit trou mécanique sur son cadavre. Et si je passe sur le cadavre, en gros, de mon allié ou de mon ennemi, ça va, je vais le récupérer, cette roue mécanique, et en gros, je vais balancer de l'armure par terre. Bon, voilà, je vais mourir, mais voilà. Vous voyez la petite roue mécanique, là, parce que je suis mort? Et ben, en gros, c'est ça que je dois récupérer pour avoir... comme ça, avec ça, justement. Je vais jeter de l'armure, et l'armure donne 45, je crois, ou 65 points d'armure aux alliés. Mais elle se régénère pas comme par exemple le bouclier comment ça s'appelle de Zarya, de 6 mètres. Ok, on est en défense, ça tombe super bien. Avec le petit skin, j'ai deux skins légendaires de lui. Bon, on va voir un peu ce qu'il y a. Il aime bien jouer tank lui, hein. Putain. Elle est que niveau 9. Ok, elle fait un test en fait. Non, what? Attendez. Ah non, c'est pas du tout un test en fait. 8 heures! La meuf elle est level? Ah oui, j'ai pas vu, je crois qu'elle était level 9. Mais non, en fait elle est level 209 quoi. Parce qu'elle a 2 étoiles, c'est-à-dire qu'elle est double prestige. Ça fait longtemps que je vous avais pas présenté un... Enfin, il y avait Zenyatta, mais... Zenyatta, je l'avais gardé depuis pas mal de temps comme vous l'avez vu. Alors, savoir que Reinhardt avec Bastion et Torbjörn, c'est vraiment bien. Genre, avec Bastion, on se met là-dessus, là. Et le Reinhardt se met devant avec son bouclier, comme ça, ils peuvent pas nous toucher. Alors, faut faire gaffe à Genji, parce que le Genji, je sais pas si vous connaissez ce passage, mais il va venir là et il va aller là-bas. Et il peut passer par derrière, en gros. Je vous montrerai. Enfin, si vous regardez AlphaCast, je vous conseille. Bon, ça, je sais pas combien il a d'abonnés, mais c'est vraiment beaucoup, j'en regarde beaucoup. Et il avait fait un test. Bon, c'est à moitié plus possible, parce que Genji a été nerf à son saut, mais... C'est possible encore celui-là. Ouais, je vais la reculer un peu. Comme ça, ça va aider le Reinhardt. Ok, on go. Donc bien sûr, quand on me booste les dommages, elle booste aussi les dommages de la tourelle. Il faut savoir que la tourelle est vraiment, vraiment... fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Même au niveau 2. Regardez, là, elle fait que taper. Bon. Bien sûr, ce qui sert le plus, c'est pas forcément la tourelle. Attends bien, même si moi, j'utilise que ça. Ok, j'ai fait un coup double grâce à ma tourelle. Je vais récupérer les roues mécaniques. Je vais en jeter une. Ouais, en fait, c'est 75. La barrière a été détruite. Alors, pour la réparer, il faut que je retape dessus. Il y a une Ana en face. Du coup, voilà. Il n'y a pas de Genji en face. C'est cool. C'est cool pour moi. Faut que je lui donne de l'armure. Merde. J'ai quoi? J'ai pas pu. Ok, je l'ai eu sans ma tourelle. Ok, j'ai toujours ma tourelle et on a un TP. J'ai mon ulti. Donc en gros, quand il a son ult, je sais pas ce qu'il dit. Moi, à chaque fois, je comprends où je suis Batman. Quand il fait son ult. Justement. Alors en gros, quand j'active mon ulti aussi, la tourelle a masse PV. Saoulé. Donc je vais peut-être attendre qu'elle subisse pas mal de dégâts avant d'ulti, genre ça. Et vous voyez, mon marteau il tape beaucoup plus vite. Et il tape. Ma tourelle touche. Elle est hit. Donc voilà. Mon ulti n'a pas servi à rien. Même s'il n'a pas servi à grand chose non plus. Je crois que c'est pas à rien. Ok, maintenant elle va se faire détruire.
beaucoup de PV. Ah, détruite. Ouais, ma tourelle aussi a une roue mécanique en gros. Je vais la mettre ici, ma tourelle. Je vais pas que j'aille sur le point là. Je démarre ma tourelle et je vais sur le point. Oh! Ce reste de folie! C'est limite si je spam mes alliés crevés en fait. Pour avoir l'armure. Alors, j'ai encore jamais eu d'eau fait avec. En fait, les eaux faits, faut donner ça à chacun des membres de son allié. Ses alliés. Et faut aussi faire 4 victimes avec l'ult. Donc ça c'est moins dur en fait. Ouais, faut savoir que quand là elle est vraiment bien placée la tourelle et qu'il y a du monde, quand tu ult, voilà quoi, c'est pas une blague, ça fait mal. Oh la pute. Ok. Les deux putes là, la Anna et lui là, le Hanzo. Je vais récupérer ça. Ok. Allez, go. Et ça va. Voilà. Alors là, je peux taper à fond pour qu'elle finisse niveau 3. Oh, what, là, on se joue bien. Alors, ma vitesse d'attaque est bien améliorée aussi. Il y a un faucheur là. Je sais pas où il est passé. Il arrivait par derrière, c'est sûr. Je vais mettre ma tourelle là en fait. Ok. Ok, ok. Je vais mettre ma tourelle là. Voilà, j'en étais sûr, je l'avais entendu lui. Je vais la mettre ici. On attend bien en défense, il gère. Oh. Oh. Je vous ferai qu'une game parce que j'en ai marre du plot des vidéos qui durent 3 heures. Voilà, désolé. Enfin, je sais pas. Ok, je tape dedans, mais ça sert strictement à rien. On se déçoit clairement. Putain. Elle a pas de TP. Elle n'a rien. Ma toile tape. Mais elle peut aussi des PV. Non, non, non. Ok, il y a eu un double race. Oh putain, ma tourelle est détruite. Allez, go. Ouh. Je sais son skin des jeux d'été. En fait, j'ai les skins de tous les jeux d'été, sauf celui de Macri. En gros. Il y a Hanzo au-dessus qui va essayer de détruire ma tourelle. Je me mets devant, comme ça. S'il me touche, il me touchera moi. What? Mais non! C'est pas ce que je voulais faire! Putain. Ok. Oh oui, on a un TP. C'est pas fini, on peut gagner! Ouais, ok, ça va être compliqué, mais on peut. Le TP n'est pas détruit. Allez, go, go, go! Voilà! Ok, là j'y vais! Sans tourelle! Ça fait autant mal. Ça fait autant mal. Ça fait moins mal, mais. Non, ça fait plus mal, mais faut bien que je vise. Je sais pas si j'ai plus de game. Ok. Il y a encore la diva là. Je vais la tuer. Ah merde. Bon, bah, j'ai well play, dis donc. Ok, j'ai cru que j'allais avoir le play of the game avec 3 kills, mais bon. On va se quitter sur mon petit play of the game, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ouais, elle a bien changé. Le troisième, allez. Oh, 4 kills, ouais, GG. Il mérite. Ah, le TP nous a vraiment bien servi, je trouve. Ok. Bon, bah ça va être déjà la fin de cette vidéo, 3 étoiles. Elle a vraiment... Le TP nous a permis de gagner, je pense. Ouais, alors, j'ai oublié de préciser, c'était ma première game de la journée, hein, Tobiorn, voilà. Et on va cesser sur le petit info. C'était AquaPro, merci d'avoir regardé cette vidéo qui était malgré un petit peu... Mais, on a fait une belle partie. Allez, salut l'hamster, je vous laisse sur Play of the Game.
Oh, la meurt, je crois. Armure disponible.